Sécurisation de la capitale, mise en place d'une commission tripartite. Dans le cadre de la sécurisation de la ville, en vue des festivités du 26 juin, une commission tripartite réunissant le ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, la commune urbaine d'Antananarivo et la police nationale a été mise en place. Elle sera chargée d'organiser le carnaval et d'assurer la sécurité de la cité. Selon les informations recueillies, la police nationale et les MOREC seront mobilisés à cette occasion. Le podium figure parmi les pièces maîtresses de la célébration de la fête nationale et c'est la police du 1er arrondissement et les MOREC qui seront chargés de sa sécurisation. Le jour du 26 juin, les militaires seront au premier rang pour assurer la sécurité de la capitale, notamment à Mamasne et à Yavlon. Mais ils seront appuyés par toutes les forces de l'ordre, notamment la force d'intervention de la police. En attendant, les commissariats effectuent des interventions par secteur pour optimiser la sécurisation de la ville pendant et après le 26 juin. Par ailleurs, selon toujours notre source, la police municipale et le commissariat du 1er arrondissement assureront la fluidité de la circulation à partir du 17 juin jusqu'au 26 juin.